Distinguished members of the court, chers collègues des sénateurs, mesdames et messieurs, c'est un plaisir que je vous accueille à l'occasion du 17e forum d'échange entre la chambre haute du Parlement et la chambre des comptes de la Cour suprême. Monsieur le président de la chambre des comptes, au nom de Monsieur le Président du Sénat, Son Excellence Marcel Niat Njifenji, je souhaite à vous-même et à l'ensemble de la délégation qui t'accompagne une très chaleureuse bienvenue à ce colloque qui constitue depuis des années l'une des articulations majeures de la session parlementaire. Je suis heureux de savoir que nos échanges de ce jour porteront essentiellement sur le rôle de la Chambre des comptes de la Cour suprême et ses rapports avec le Parlement. En effet, l'accomplissement de la principale mission assignée à la juridiction financière, à savoir le contrôle et le jugement des comptes publics pour l'information du citoyen, nécessite que la Chambre des comptes de la Cour suprême assiste aussi bien le gouvernement que le Parlement dans ce domaine. C'est pour cette raison que mes collègues sénateurs et moi-même attendons les exposés de ce jour qui nous apporte des clarifications sur le rôle de la Chambre des comptes parmi les institutions de la République, ainsi que sur le concours que cette juridiction pourrait nous apporter, de manière générale et plus particulièrement dans l'exercice de notre mission constitutionnelle, mission de contrôle de l'action du gouvernement. Mes chers collègues sénateurs, je sais pouvoir compter sur vous pour le plein succès de ces travaux, dont il n'est pas besoin de rappeler l'importance. Sur ce, je déclare ouvert le 17e forum d'échange entre le Sénat et la Chambre des comptes de la Cour suprême. Vive la collaboration entre le Sénat et la Chambre des comptes de la Cour suprême. Vive le Sénat, vive le Cameroun. Thank you for your kind attention.